reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. En mon âme, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Et bénédiction de l'Éternel sur chacun de vous. Lors de notre émission précédente, le thème était « Prions à l'instar de Jésus-Christ ». Le texte de base a été tiré de Matthieu 6, versets 7 et 8. Et dans ce passage, nous avons relevé deux éléments importants qui devaient nous aider dans la prière. Et lors de l'émission précédente, nous avions parlé du Père, qui est le premier élément important dont nous devons nous inspirer pour prier. Le second, c'est ne leur ressembler pas. C'est de cela que nous voulons parler maintenant. Ne ressemblez pas aux païens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que Jésus nous relate dans le passage lu. Nous allons voir un modèle de prière des païens. Et en tirer des leçons pour notre édification. Un roi 18. Verset 24 au verset 29. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le. Les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, priez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Où il est occupé. Où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et il criait à haute voix. Et il se fit selon la coutume des incisions. Avec des épées. Et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé. Il prophétisait.
jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ne ressemblait pas aux païens. Cet événement s'est produit à un moment difficile du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans une grande apostasie conduite par Jézabel, la reine, et son mari Akab. Élie était ce prophète que Dieu a envoyé pour ramener le peuple à lui. Alors, pour que le peuple sache que l'Éternel est réellement Dieu, il y a une confrontation entre les prophètes de Baal et Élie. Ce qui devrait être fait est qu'un animal soit sacrifié sur l'autel et que le Dieu qui était le vrai Dieu répondra à ce sacrifice en le consumant par le feu. Alors, pour commencer, Élie a demandé au prophète de Baal. Et comme vous êtes plus nombreux que moi, commençons la cérémonie. Et c'est ainsi le passage que nous venons de lire nous relate l'événement, la rubrique numéro 1 concernant les prophètes de Baal. L'autel était bien bâti. L'animal était bien sacrifié. Maintenant, il faut que Baal réponde par le feu. Pour consumer le sacrifice. Alors, pour que cela soit ainsi, il faut nécessairement la prière. C'est ainsi que les prophètes de Baal ont commencé à prier. Nous recevons beaucoup de choses ici qui relatent la manière dont les païens prient. Et Jésus nous met en garde contre cette forme de prière. Bon, c'est pourquoi il nous a dit dans le passage que nous avions lu dans Matthieu de ne pas ressembler aux païens. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 26, il dit, il sautait. Les prophètes de Baal sautaient. Le contraste que nous devons avoir ici entre la prière des chrétiens et celle des païens est que Baal n'était pas le père des païens. Il n'était aussi pas leur Dieu. Alors, il doit tout faire pour le convaincre, pour l'amener à répondre. Oh, chez nous, les chrétiens, nous n'avons
n'avons pas besoin de faire tout cela. Alors il criait ici. Sachant qu'en criant, ce Baal sera touché. Aura pitié de pour les exaucer. Et c'est ce que Jésus nous refuse. Nous n'avons pas besoin de sauter avant que Dieu nous exauce. Aujourd'hui, c'est des sauts. Il y a même des vieux parmi nous. Qui ne pourront pas sauter comme vous. Il y a des gens qui ont certaines maladies dans le corps. Et qui ne leur permettront pas de sauter comme nous qui sommes forts. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons sauter. Nous pouvons crier. Jésus même a crié. Par moment. Pour appeler son Dieu. Mais pour nous, les chrétiens, nous devons savoir que nous ne devons pas faire comme les païens. Ils sautaient. Pour convaincre leur Dieu. Ils tombaient. Se relevaient. Même si tu es dans ton lit. Malade. Ou tu n'as pas la force de crier. Tu parles légèrement. Dieu t'écoute. Amen. Amen. Il criait. Il y a haute voix. Le verset 28 ici. Il y a haute voix. Il y a lorsque nous sommes en séance de prière. Nous et que nous crions. Ça motive. Et nos dos ceux qui dorment. Vont se réveiller. Il y a un enfant. Ceux qui se sentent faibles vont voir nos mouvements et nos cris. Et eux aussi entreront dans la danse. Mais je voudrais vous dire, ça n'a aucun lien avec les ossements. Je voudrais vous dire ici, c'est le principe des païens. Et ils doivent crier. Ils doivent sauter. Ils doivent tomber. Ils doivent taper les murs. Les pieds contre terre. Avant que leur Dieu ne réponde. C'est la manière dont le Seigneur nous dit de veiller à cela pour ne pas tomber dans ce revers. Ils disent dans le même passage, il se fit des incisions avec de l'épée et le sang coulait. Tout cela pour permettre à Baal de les écouter. Nous n'avons pas besoin de faire mal au corps. Le chrétien doit jeûner. Mais soyons raisonnables. Dieu n'est pas content à nous voir affaiblis, détruits par la prière avant de nous écouter. Nous avons besoin de jeûner. Jeûner pour prier. Mais ne pensons pas que c'est qu'en jeûnant et que Dieu nous voit faibles, fatigués, sans force, mourants, qui se sentira à l'aise de nous bénir. Non, jeûner.
Nous Bible là. C'est consacrer de temps à Dieu. Yézé ouais nous mettons doté. Nous mao. Dis Seigneur. Bono di nwe do akuluno. J'ai des choses à partager avec toi. Ndoko dele mna mahawe. Que j'estime importante. Bon modo kwela le do vivre zenade. C'est pour cela. E wason. Je mets mes activités de côté. Bon ndo azoy no wale do kwe. Je mets mes besoins naturels de côté. Denye wudo ende suno totiti yon jodo kwe. Le manger. Ndudu. Le boire. Si nous, nous, je mets ces besoins naturels de côté. Nous avons besoin de pour un temps. Nous, aider nous. Afin de te montrer. Bon, nous, c'est pour clair, oui. La valeur. Quoi, l'importance. À quoi, que ce que je demande m'écoute. De nous, bien, de quoi, c'est ça le jeûne. Nous, nous, bibla, c'est ça le jeûne. Quoi, nous, bibla. C'est dire à Dieu. Et nous, dit, non, moi, ouais, je me consacre à toi. C'est pour un temps. Nous, aider nous. Afin que bon, nous. Nous partageons certaines choses. Mais là, c'est comment. Ce n'est pas le fait de montrer à Dieu que oh, je souffre, hein? Dieu, tu vois que je souffre. Hein? Dieu n'est pas heureux de nous voir souffrir à travers les jeunes. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est grand. Il régnait. Ne puisse prendre la place de la prière. Nous debout si quoi derrière aussi t'aimer. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Nous gégé le Dieu ouais ben. Oh, on vend de l'eau. Ouais, nous aussi ça ouais. Pour la prière. Nous derrière. L'huile est vendue un peu partout. Ah mieux nous aussi ça bon comme gommé. Notre Dieu n'a pas besoin de cela pour exaucer. Maoumi ton douane c'est redonne à ce qu'aussi des bémiton. Dieu n'a pas besoin de l'eau pour exaucer. Maoumi redonne ton ouais tu me n'as c'est des bémiton. Je n'ai pas besoin de parfum pour exaucer. Je veux seulement que tu parles. Parmi les païens, le sacrifice. Voici ça. Aujourd'hui, les gens pensent. Quand on se lève à minuit, et on se présente devant Dieu nu. Ah, Dieu exauce toujours cette prière. Jésus nous dit, ne leur ressemblez pas. Même si tu portes 23 tenues, Dieu te connaît nu. Ce n'est pas le fait d'enlever la tenue qui poussera Dieu à tes océans. Ce sont les païens qui font cela. Aujourd'hui, il faut rester au carrefour. Et de n'aller au cantelé. À 1h du matin. Au grand cosazatome. Et lire tel somme. Mona rasomoule. Et Dieu va travailler. Et ne mauna waso. C'est de pure hérésie. Nous allons nous promener à Goweni. Dieu n'a pas besoin de toi à 1h du matin au carrefour. Maudo wudo toi gano comme a été renoton d'aller au cantelé. Tu iras rencontrer les païens. Quand tu vas partir à 0h, à 1h du matin, et tu seras en train de prier, les païens aussi viendront déposer leur calebasse. On saura qui est en train de servir Dieu et qui sert le Baal. Ne compliquons pas les choses, mes frères. Dieu écoute nos prières. Mais ce n'est pas à la manière des païens. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Pensant que c'est par cela, c'est par cette chose que Dieu t'exaucera. Est-ce un savon? Est-ce l'huile qu'ils vous ont donnée? Je voudrais vous dire, si on vous donne cela, sachez que ce n'est pas la manière dont Jésus nous demande de prier, de parler,
Lui-même a parlé à son père. Même devant Lazare mort. Et qui pourrissait déjà. Il n'a rien utilisé. Il a seulement appelé son père. Et la vie est entrée en Lazare. Montrez-moi dans le ministère de Jésus où Jésus a utilisé tel produit pour guérir. Si ce n'est pas la salive, ça aussi ça a son sens. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Et on se demande, est-ce que c'est les chrétiens qui sont là? Est-ce que ce sont les chrétiens qui sont en train de prier? Nous devons avoir recours aux enseignements du Nouveau Testament. Autre chose. Nous devons il prophétisait. Il prophétisait. Mais rien ne se passait. On a ces cas dans nos réunions de prière aujourd'hui. Où on prophétise. Et à travers. Je prophétise sur ta vie. Que demain tu auras ta voiture. Je prophétise sur ta vie. Demain tu auras d'enfants. Je prophétise sur ta vie. Tu auras ton visa. Visa tu es en On prophétise de la part de Dieu. On n'invente pas la prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et on reconnaît le vrai prophète à travers l'accomplissement de sa prophétie. Dirigeant de prière. Combien de fois tu as prophétisé sur la vie des gens? Et ces prophéties se sont accomplies. Et toi qui reçois ces prophéties, l'accomplissement s'est déjà produit dans ta vie. Bien-aimé, la manière dont les serviteurs de Baal ont prié. Toi, retenir notre attention et savoir comment prier Dieu. L'heure a sonné. Et que nous nous réveillons. Ils ont tout fait. Le sang coulait. Mais Baal n'a pas répondu. Baal n'a pas répondu. Le tour d'Élie est venu. Et il va prier. Nous voulons seulement prendre quelques mots de la prière d'Élie. Du verset 36 et 37. Bédo, ma ou ma vo ton Eli se kwa vo sa kwenye bodo. Ma ou ma vo, ma ou Abraham ton, ma ou Isaac ton, ma ou Israel ton. Dekla ek bedino, wiwayi ma ou Israel ton, bo nye yi mesenta tuwe. Alors, les prophètes de Baal ont échoué. Lou, Baal aussi. Le tour d'Élie est venu. Il était seul parmi eux. Mon frère, ma soeur, tu peux être seul parmi eux, parmi les adeptes de Vodou. Sache que ta prière doit monter vers Dieu. Si tu prends en compte les éléments que lui a pris en compte dans cette prière. À l'heure habituelle de l'offrande, le soir,
Le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu d'Israël. Vous voyez, Père, Élie a pris en compte la première partie de l'enseignement que nous avons précédemment fait. Il sait que Dieu est son Père. C'est pourquoi il a cité Abraham, Isaac, et Jacob, pour lui dire, je suis leur descendant. Donc, si je suis leur descendant, Éternel, tu es mon Père et mon Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Ce lien est très important. Et il continue. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et je suis ton serviteur. Et que j'ai fait tout cela par ta parole. Oui. Prions selon la parole de Dieu. Ce que Dieu dit concernant la prière de la parole de Dieu. Il faut le prendre en compte. Élie était là. Et le verset 38 dit, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. La prière d'une seule personne. Celui qui a invoqué son Dieu. La prière d'une seule personne. Parmi toute une nation. Qui est dans l'apostasie. Une seule personne. Par la prière. A permis à Dieu de se manifester. Ne ressemblons pas aux païens. Prions à l'instar de Jésus-Christ. Nous changerons le monde autour de nous. Nous changerons la situation autour de nous. Dieu fera de grandes choses au travers de nous. Mon frère, tu es de Dieu. Les pierres qu'ils ont mises dans ta chambre, disant au tel de justice, ce n'est pas dans le contexte néo-testamentaire. Il faut jeter cela. Tu vas voir des démons dans ta chambre. Car ces démons sont liés à ces pieds. Tu laisses les démons entrer dans tes affaires. Jésus n'est pas là. Prions simplement. N'imitons pas les païens. Et que Dieu de paix nous exauce. Ne ressemble pas aux païens. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner de tous ces dérapages. Tu t'es tout promené. Tu as bu n'importe quoi. Demande pardon à Dieu. Et demande à Dieu de revenir dans sa relation avec toi. Toi, femme, tu as laissé ta nudité. Et tout homme t'a vu. Croyant que vous êtes en séance de prière, tu dois te repentir. Adonai le vojo. Prie, prie. Hode.
Prie. Hodé. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te recommandons tes enfants qui ont connu ce moment de dérapage et qui ont perdu la vraie doctrine et qui ont suivi les mauvaises voies. Seigneur, aie pitié et pardonne. Mon Dieu, aie pitié et pardonne. Mon Seigneur, pardonne maintenant, Seigneur, le péché. Aie pitié, Seigneur. Reviens à eux, Seigneur. Reviens à eux, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous maintenant. Seigneur mon Père, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Papa. Pour la vie de tes enfants. Pour ce moment que tu as encore préparé. Pour les relever. Ils ont compris. Seigneur, maintenant. Ils t'ont confessé leurs péchés. L'hérésie. La fausse doctrine qui les a emportés. Ils viennent de t'en faire part. Seigneur, pardonne. Mon Dieu, purifie. Mon Seigneur, lave. Tout lien avec ces démons. Lié à ces produits. Je brise ce lien au nom de Jésus. Je brise ce lien au nom de Jésus. Je brise ce lien au nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre, que ta communion reprenne avec eux. Saint-Esprit, redonne leur vie. Que le feu, la puissance du Saint-Esprit, descende dans leur vie. Brûlez tous ceux qui n'en ont pas ton nom. À partir de ce jour, enseigne-leur à prier. Fortifie-les. Fortifie-les. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. FIFA. Tu es béni. Pour tout renseignement, numéro passe. Numéro mitonne de Tindibon aussi doué. Au bas de vos écrans. Et de Tindibon, à l'occasion de ce que mitonne si doué, nous oui, assez doux. Appelez-nous. Si vous avez l'église de Pentecôte quelque part, nous mido à Pentecôte tout en l'offidéo. Allez célébrer. Mise ma ou l'offine. Rencontrez les responsables. Mais nous connaissons les. Et faites le part de vos difficultés. Bon, nous t'aguardez de midi à minuit dans nous. Ah, nous sommes de l'église de Pentecôte. Do à Pentecôte tout en minuit. Si vous avez encore des églises évangéliques, nous mille fois do à Gumbigba mettons les. Enseigne la vérité biblique. Des nous do Kodo nous go oui oui mettons les dire. Approchez-vous des leaders. Mais c'est quoi nous connaissons étant les. Ils vous aideront. Et n'ago alors nous. Le Seigneur vous aime. À clôner une année. Le Seigneur avec vous. À clôner le pohami. À bientôt. Et il vous revoit. Bye. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.